Oh, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, vidéo un peu spéciale. Et oui, une vidéo information, on va dire ça comme ça. On est de retour sur une petite vidéo. Alors là, je vous fais la promesse, c'est une petite vidéo. C'est juste pour vous officialiser deux petites infos, vous convaincre et améliorer votre confort de votre vie. Moi je rigole. Bref, du coup, comme vous avez pu le voir au nom de la vidéo, j'officialise le fait que je fais des vidéos sur Twitch, mais aussi sur Kick. Alors, je fais des vidéos, je fais des lives qui ensuite deviennent des vidéos, etc. Donc, par exemple, donc là, c'est mon Twitch, d'accord. Donc, ça s'appelle ValIRL, VALE-du-bas IRL. Et voilà, ma chaîne Twitch, Kick. Alors, du coup, je viens de voir, il y a une différence. Il y a un V majuscule sur Twitch et un V minuscule sur Kick. On s'en fout. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Plus les lives sur Kick, ils s'enregistrent depuis un bon bout de temps. Donc voilà. Donc vous allez me dire, mais Valentin, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu fais des lives sur YouTube. Oui, sauf que du coup, je suis obligé de vous préciser certaines choses. Déjà de 1, sur YouTube, comme vous savez, je fais des lives en format vertical. Je suis contraint de le faire tout simplement parce que les lives en version horizontale, comme vous pouvez le voir, ne sont pas répertoriés, on va dire, comme il le faudrait. Ce qui fait qu'en fait, en gros, si je fais un live même sur Fortnite horizontal, eh ben, y a très peu de gens qui vont passer sur le live. Et du coup, c'est une perte de stats, de visibilité, etc. Il faut savoir quand même que voilà, c'est un exemple, mais voilà, c'est ce format-là qui m'a quand même tiré vers le haut. Donc, c'est pour ça que sur YouTube, on va rester sur le format vertical. Mais du coup, vous allez me dire, oui, mais d'accord, ok. Vous allez me dire ça. Moi, ensuite, je viens vous dire, écoutez, les reilles, j'ai une chaîne Twitch et une chaîne Kick. Il faut savoir qu'avant, Twitch était un peu vénère. Et ils aimaient pas qu'en gros, tu live sur YouTube et sur Twitch en même temps. Il y a Kick qui est arrivé, ils ont décidé de laisser du lest. Et donc, maintenant, entre guillemets, tu peux liver sur tout. C'est pour ça que je le fais. Donc, je live sur YouTube. Quand je live sur YouTube, vous verrez, je live aussi sur Twitch et sur Kick. Il faut savoir aussi que je vois en même temps les commentaires de Kick et de Twitch. D'accord? Donc, ça, il faut le savoir. Mais pourquoi est-ce que j'essaye de vous convaincre d'aller sur Twitch? Eh bien, je vous explique. Moi, c'est pour votre confort. Sur Twitch, il faut savoir que les lives horizontales sont encore référencés, on va dire. En tout cas, c'est encore la norme. Bien évidemment, qu'un jour ou l'autre, ça passera sur le format vertical. Bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est comme ça. Profitez, quand vous regardez un de mes lives, eh ben, allez voir peut-être... Pour vous, pour votre confort, vous préférez regarder de manière horizontale, n'hésitez pas à le faire. Déjà, sur Twitch, c'est faisable. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais du coup, pourquoi t'as fait Kick? Eh bien, tout simplement, pourquoi pas? Il faut savoir que déjà, en termes d'idéologie, certaines personnes n'aiment pas trop Twitch. Et pareil pour Kick, parce que Kick, souvent, il y a plein de gens, il y a plein de dramas sur Kick. Et sur Twitch, c'est très... Ils sont vénères, on va dire. Du coup... et ben ça fait que si t'as pas une application plus qu'une autre, par exemple, je sais qu'il y a des gens, ils se font bannir de Twitch, ils passent sur Kick. Et ben tu vois, par exemple, le mec en question, et ben ça m'étonnerait qu'il aille sur Twitch, tu vois. Donc bah voilà, t'as Kick. Il faut savoir, donc pour vous dire ça comme ça, que actuellement je joue avec un abonné qui vient souvent, hein, je joue avec un abonné qui vient de Twitch, qui s'appelle le Titouan, hein, je sais pas s'il passera, etc. C'est juste pour vous expliquer que j'ai bel et bien aussi des interactions avec les abonnés de Twitch, de Kick, etc. Et que tu vois, justement, cet abonné qui lui vient de Twitch, et ben il a les lives en format horizontal, tout simplement. Donc tu vois, moi j'espère que quand vous regardez un live, vous êtes entre guillemets dans un bon confort. Parce que moi je vous le dis, en horizontal, mon live a tout de suite une autre gueule. Parce que déjà, donc j'ai retiré les commentaires là sur mes lives short parce que ça n'avait aucun sens. J'ai retiré donc le fait est qu'on voit les commentaires, mais là on le voit. En plus de ça, il y a très peu de modération sur Twitch et Kick. Alors c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'il y en a très peu. Donc c'est juste au cas où, si vous aimez bien, entre guillemets, avoir une sorte de monopole, je sais pas comment expliquer, mais en gros t'aimes bien de pas te prendre la tête, sache que sur Twitch et Kick, il y a beaucoup moins de choses. Alors en ce qui me concerne,
concerne, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu fais tes lives sur autre chose ? Demain, si, imaginons, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je me fais bannir de YouTube ou de Twitch, eh ben, j'ai toujours une sorte de backup. Un backup, voilà, donc n'hésitez pas, en ce qui me concerne, voyez Twitch et Kick comme une sorte de porte de secours, au cas où si un jour il se passe quelque chose. Je vous donne un exemple. À l'époque, il y avait pas de problème au niveau des droits d'auteur, je crois, par rapport à un truc, et il s'est passé qu'il y a eu un drama avec un youtubeur, et en fait d'un coup une musique a été monétisée, et en fait le mec s'est pris plusieurs strikes d'affilée, donc il avait réussi à sauver sa chaîne. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. En fait, on sait jamais, ça se trouve un jour j'ai fait une vidéo sur un mec et du jour au lendemain toutes les vidéos sur ce mec se retrouvent strikées, et moi je me retrouve avec un strike, avec un deuxième strike. Ça se trouve un jour il va se passer un drama en live et je vais être bloqué de live, et ben voilà, au moins vous êtes au courant qu'il y a que j'ai donc un Twitch et un Kick, au moins c'est officialisé, et en plus de ça vous connaîtrez cet espace tout simplement. Il faut savoir qu'à l'avenir, il y aura dans un futur très lointain des lives exclusifs à Twitch, à Kick et à Twitch et Kick. Je vous explique. Moi, j'aime bien faire du Fortnite sur la chaîne YouTube. Probablement, c'est ce qui va se passer. Parce que quand je vais passer sur du Overwatch ou sur d'autres jeux, et ben en fait, je couperai le live de YouTube tout simplement parce que la communauté sur YouTube n'aime pas ce contenu. C'est comme ça, c'est pas grave, je m'adapte. Par contre, sur Twitch et sur Kick, je sais qu'ils aiment bien ce type de contenu. Enfin, moi, je regarde ce genre de contenu sur Twitch, je regarde du Overwatch, etc. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'en gros, il y a cette option que je laisse aux abonnés. Bien évidemment, en tout ce qui concerne les donations, j'ai rien accès sur Twitch et Kick, je préfère être cash, donc venez que sur YouTube si c'est pour le faire. Et en ce qui concerne le soutien, pareil, concentrez-vous entre guillemets sur YouTube, on n'a pas besoin vraiment, en fait, voyez Twitch comme une sorte de backup. Alors moi, en ce qui vous concerne les abonnés, j'aimerais juste avoir les 50 followers sur Twitch, tout simplement parce qu'il y a un succès à avoir là-dessus. Alors bien évidemment, plus on sera nombreux sur Twitch, c'est comme les subs, hein, plus je vous fournirai du contenu, j'améliorerai le contenu de la chaîne, etc. Je sais qu'il y a un système de récompense et j'en ai pas sur la chaîne, donc faudrait que je regarde. Mais j'attends en fait de faire grossir la communauté tout simplement sur Twitch. Je me prends pas la tête, on va dire, etc. C'était une vidéo information, il faut savoir que je devais la faire depuis un bon bout de temps. Maintenant c'est officialisé. C'est fait, Psartek, on passe à autre chose. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, etc. En ce qui concerne mes chaînes en question, elles sont disponibles dans la description. N'hésitez pas, franchement, j'espère que vous allez passer une bonne journée, les Rey. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et puis moi, je vous dis tchuss. Allez, tchuss.